Ah, j'ai envie de me détendre avec un peu de skin, me faire des kiffs. On rabit Thierry direct, nous on rentre dans le vif du sujet les gars. C'est parti mon gars. Et après on va faire des petits upgrades. Ça fait longtemps. Théma là, le Jiggle Sunset Storm moche, là je suis pas content. Aurel, merci pour le gift. On a eu un skin pas ouf, hein. On n'a pas eu un skin très dingo. Mais let's go. On continue. Oh! Oh là là, celui-là il m'a pris par surprise. Oh là là. Ah, celui-là c'est le but en or. Oh oui, le but en or! Oh là 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 là. Ça c'est. Ça c'est la très égole ça. Ça c'est la reprise de volée pied gauche très aiguë là, celle-là là. Celle-là c'est Ursus Knife Factory New comme ça là en fade. Là c'est Dieu qui donne là. Là c'est la régale. Petit couteau pour nous les amis. Donc on peut c'est bon, on peut se détendre là, ça y est. La iconique. Vas-y, je vais aller regarder. Ouh, le Glock fade, mais non, ça sera les jades ou les motos, non, les jades. Que les turtles, je préfère quand même les... Pardon ? Mais wesh, j'avais droppé des gants jade il y a pas longtemps. C'était field tested, 120-150$. Je viens de choper un petit 1100$ là. C'est bon, ils ont truqué mon compte les gars. On va aller tout droit. On va aller tout droit sur le paradis des skins. Tout droit sur le paradis des skins. Allez, une petite iconique là pour mon frérot. Si vous avez des caisses à ouvrir les gars, c'est le moment. Ah, Bloodshot. C'est un beau petit scout ça. Ouh, Manowar tiens. Manowar ça aurait été sympa aussi. Et Bloodshot, c'est un skin sous-côté de ouf, les gars. C'est un très beau scout, celui-là. Une cover, monsieur Yurazi. Allez, ça part de là pour la cover. Jiggle, Jiggle Conspiracy. C'est beau, ça, Jiggle Conspiracy aussi. Putain, elle donne des beaux skins, cette caisse. Pas rentable, mais elle donne des beaux skins, en tout cas. Petite cover pour Yurazi. Ok, MP7 Bloodsport, c'est pas dingue. Yurazi, ton call est pas terrible. Mais on va continuer d'en ouvrir deux ou trois, histoire de voir. Une petite premium, juste après Escal. La premium, elle est pour toi, beau gosse. P90, je valide. Oh, USP Traitor, c'est beau aussi. Eh, il donne des beaux skins, hein. C'est pas rentable, mais franchement, il donne des petits skins sympas pour constituer un inventaire en vrai. Ah, bah non, c'est très rentable en fait. J'ai dit de la merde. Non, mais là, ils sont gonflés les prix, c'est pas possible. L'USP, normalement, il est dans les 6-7 euros. Desert Strike M4, ok, pas dingue. Pas dingue. Non, ça va, Yurazi. En vrai de vrai, tu m'as mis 2-3 petits skins sympas. Alors. En vrai, l'USP, il était bénef. Black Panther, Malek. Aquamarine aussi, beau skin. Non, en vrai, je sais pas, il donne des skins plutôt stylés. Hein. Ouais, pas rentable du tout, mais plutôt stylé. Une Grandmeister. Oh, t'as des goûts de luxe, Isgore. 75 balles. Allez. C'est des goûts de riche, mais on est riche. Royal Paladin. Je suis pas convaincu par ce skin. Hein. Je suis pas du tout convaincu par ce skin personnellement. M4 Guardian. Ouais, c'est un peu plus cher, mais je suis pas convaincu non plus. Ah oh, ouais. Ah là, c'est la caisse de merde ça. Qui c'est qui m'a collé cette caisse de Zub là? Oh là 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 là, le coup de massue derrière le crâne. Oh là 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 là. C'est Bernie. La caisse, on va l'appeler Bernie maintenant. C'est le mec qu'on a croisé sur Faceit tout à l'heure là, qui nous a lavé les fesses. Il nous a talqué les fesses comme ça là. Non, c'est très grave. Qui c'est qui a call cette horreur là? Donnez-moi l'identité du gars qui nous a call ça là. C'est toi Izorg? Ah frérot, fais-toi pardonner. Non, c'est très grave. Là, tu t'es obligé de nous offrir un sub à la chaîne là. Frérot, 3 fois 75 balles, j'ai eu 20, 25 et 5. Mais qu'est-ce que c'est que cette enfilade que je me suis pris? Une cover x10? Ouah, Yurazi frère, c'est bon. T'es call moisi là, ça va 2 minutes. C'est quoi, je vais le follow juste pour te montrer que c'est de la merde ce que tu m'as dit. Une cover x10 frère. Je vais te montrer hein, comment ça pue la merde. Oh là là. Ah, CZ Victoria, ça vaut cher là. Même pas frère. Non, que des horreurs. Oh là là, les Rolls Cage frérot, des MP7, Bloodsport, des Desert Strike moisi, Rolls Cage encore. Yurazi, viens ici, frère. On va taper un si on banne Yurazi du chat. Taper un si on banne. Je répète. Taper un si on banne Yurazi du chat. Je répète. Taper un si Yurazi est ban du chat. Taper un. Non, c'est pas possible. Là, c'est la démocratie a décidé, frère. T'es obligé de t'en aller, frère. Tu t'en vas. Si, tu t'en vas du chat, là. C'est pas possible. Tu nous as fait que des calls, frère. On est allé dans la mouise.
Non, merci, t'es bon, c'est bon, c'est bon. Regarde, tout le monde te veut ta mort, gros. Tu t'en vas. Au revoir, monsieur. Par contre, si tu veux, tu t'abonnes à la chaîne et on te pardonne. Voilà. Ouf, 10 iconiques, fais confiance. O'Connor, je vais pas te faire de peine, toi aussi, mais tu nous accoles un peu de la merde ces derniers temps. Hein. J'ai hâte de le dire, au cas où. Iconique. X10. Ah ouais, vous avez des goûts. Commencez à multiplier, là. Couteau ? Non, pas de couteau, putain. Et bon, on n'est pas en BNF du tout. Et les skins qu'on a eu, c'est quoi? Et les scouts là, ils sont sympas. Wap, Hiver. Globe boulette, c'est sympa ça. Ouais, malheureusement, les Deagle, ils sont pas en bon état. Ouh, il y a un petit Deagle sympa là. Il y a un petit Deagle cool. Écoute, ou upgrade en x5. Tout en x5. Allez, tout en x5. Écoutez-moi bien. Vous avez fait un call de merde. J'ai écouté, c'était de la merde. Je vous avais dit que c'était de la merde. Je viens de réécouter un deuxième call de merde sur une superposition. C'est comme les gens qui font de la pizza ananas. Tu vois, genre, c'est mauvaise idée sur une mauvaise idée. Mais vas-y, je vais écouter quand même vos délires de fou malade. C'est comme les gens là qui font des trucs de fou avec leur corps. Mais vas-y, c'est pas grave. Donc on refait un x5, il a dit. Allez, x5, on va mettre un paracord fade. Allez, un paracord fade, c'est très très bien. Je vais même tricher un peu. Regarde, je te fais un vrai x5. Je rajoute 20% de chance. Maintenant, dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire si on va à droite ou à gauche? Juste pour savoir. Et je vais aller à gauche pour suivre le col moisi de O'Connor. Et on va voir ce que ça donne. On essaie de kiffer tous ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est parti. Offre le couteau. Ouais, bah oui, bah bien sûr, ouais. Bah bien sûr, oui, monsieur. On va t'écouter. Si j'avais perdu, tu m'aurais offert 200 balles. Et le mec, il a dit, offre-moi le couteau, il m'a dit. Le malade. T'es fait gagner 600 euros. Non, c'est 580$. Le prix, il est gonflé. À mon avis, le cut, il en vaut 450. En dollars, en tout cas. Donc, ça fait 430€, 420 balles. Les gars, on repart sur l'école, là. Ouvrez-moi des caisses. Si quelqu'un a une intuition, si quelqu'un a une illumination, même, on ira encore plus loin. C'est plus de l'intuition, là. Si quelqu'un a une illumination, si quelqu'un a une vision divine sur la prochaine caisse à ouvrir, je prends. Voilà, que quelqu'un me fasse un call de A à Z. Une Ruby Cherry. Allez, Razmo, il veut une Ruby Cherry. On va ouvrir une Ruby Cherry pour Razmo. Un bon call de merde, ça, je reconnais. Tapez 1 si on banne Razmo pour son call catastrophique. Tapez 1 si Razmo mérite le ban. Tapez 1. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Razmo, au revoir, monsieur. Quelqu'un a un autre call plus intéressant que celui de Razmo, merci. Non, vas-y, 20 iconiques, il a dit, l'autre malade. Mais O'Connor, t'es fou, frère. Je te le dis, t'es fou. Je te le dis, hein. T'es malade. 20 caisses comme ça, il a dit. C'est ça, c'est des calls moisis, ça. Bon, des bullet queen, on a tapé. Fait que des bullet queen, ok. On n'est pas rentable. Le couteau. Putain. La Prince. Bon, ça, c'est de la merde. Ça, c'était vraiment un call de merde. J'aurais jamais dû t'écouter. Une Prince. Salut, Yon. Comment tu vas, mon ref? Tu veux que je te fasse ta review inventaire? Le couteau. Ah non, mais la caisse, elle vaut plus cher que le couteau. Putain. Oh là là, pourquoi je me chauffais comme ça? Ouais, je sais pas. Ça va, c'est un pour un. Allez, c'est un pour un. Disons que c'est un pour un. C'est trop nul. C'est nul. Ouais, c'est nul. En vrai, c'est nul. O'Connor, est-ce qu'on banne O'Connor? Ah non, mais c'est bon. T'es col moisi, là, j'en peux plus. Tapez un si O'Connor mérite un ban. Parce que là, c'est bon, frère. Classic knife, battle stray, battle scared. Ça va 2 minutes. Allez, O'Connor, tu t'en vas du chat. Va respirer, frérot. Va prendre l'air. À tout à l'heure. Une grande meister. Allez, Ronin qui demande une grande meister. On va servir une grande meister pour monsieur Ronin. Ça part de là. Grand Meister, ça part de là. Ronin, attention à tes miches. Tu risques le ban. Ouais, bah c'est ban. Hein. C'est ban instant ça. Oh là là. M4 Guardian, ça c'est ban instant. Rattrapez Ronin dans le chat. Rattrapez. Ouh. Le petit but dans les arrêts de jeu là.
L'égalisation à la dernière minute. 93e minute, égalisation de Rodin. Factory New Stat Track, personne ne l'avait vu venir celle-là. Pas mal. Pas mal, Rodin, la pirouette. Franchement, je te félicite, frérot. Est-ce que t'as envie de faire un x2? Dis-nous. Rodin, si t'as encore un call comme ça, bien châteux, on t'écoute. Allez, Rodin, qu'est-ce qu'on fait? Apprendre ou à laisser? Dis-nous, frérot, c'est toi, c'est ton stream, là. C'est... Régale-toi. Là, tu viens de nous faire une dinguerie, personne ne s'y attendait, gros. Parce que là, j'ai vu la Guardiane arriver de loin, je me suis dit, bon, c'est 20 balles, on est mort. Moi, je dis reroll pour départager. Bah non, c'est Rodin qui prend la décision. Rodin, ça joue. Allez, Rodin, ça joue. Tu remets la balle en jeu ou on se quitte, bons amis, un partout? Ouais, vas-y, ok. Donc, on fait un upgrade. Tu veux quoi? x1,5, x2, x5 ou x10? T'as le choix entre ces quatre-là. Le chat, vous pouvez bien évidemment l'aider, le conseiller, l'influencer. x2, ok. Il a une petite couille. Des toutes petites couilles, il a Rodin, mais vas-y, on prend. Awa pour Whitefire qui pourrait partir en giveaway potentiellement. Ouais, point d'exclamation giveaway d'ailleurs, hein, pour ceux qui savent pas. Il y a un giveaway en cours avec un couteau. Ça te va une Wildfire, Rodin? Droite ou gauche? Droite. Ok, droite pour Rodin. Les autres? Marine. Ah ouais. Rasmo, il est revenu. Ouais. Let's go, baby. On met à droite pour Rodin. Ça part de là. Rodin qui réalise encore une fois le hold-up du siècle. Rodin, troisième call. Troisième call peut-être. Rodin qui est dans un braquage. Il se baladait dans la rue. Tombé sur un billet, il est parti acheter un bingo, il a gratté, il a gagné plus d'argent. Tu fais quoi? x10. Non, arrêtez. Arrêtez de l'endiabler, wesh. Rodin, qu'est-ce qu'on fait? Rodin, c'est ton call, là, pour le moment. Donc, let's go, baby. Le chat veut, eux, ils veulent jouer. Moi, j'aurais dit stop. Franchement, une petite Awa pour Whitefire, je pourrais la réserver pour un giveaway pour le chat. Ça peut être une petite victoire pour vous, quand même. Petite victoire à 160 balles, c'est quand même bien. Ça, giveaway. Ah, Rodin a dit giveaway. C'est ton dernier mot? Je me prends pour... comment ça s'appelle? Jean-Pierre Foucault, qui veut gagner des millions. C'est ton dernier mot? Giveaway ou... dernier braco? Give pour le chat. Quel seigneur. Quel seigneur. Quel seigneur. Ok, bon. On réserve la Whitefire pour le prochain giveaway. Je coupe le live, les gars. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée.